Nous célébrons aujourd'hui le mémorial de Saint-Pie, que nous connaissons comme Padre Pio. Dans cette Eucharistie, nous demandons la guérison du Seigneur pour Smith Jr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous joignons sur la Bible, dans les petites lettres à Paul Paul qui saint pour Galatio. Frère, après 14 ans encore, je suis monté à Jérusalem avec Barnabé. Mais je prends tout. Je suis monté d'après, bon Dieu, tu dévoiles. Je mettais devant yo l'évangile là, je prêchais dans parmi les nations. Et puis si là, qui te paraît, qui choye, je prends yo à part. Pour ne pas courir ou bien pour ne pas courir pour grand merci. Eh bien, au contraire, yo ouais, c'est moi-même qui confie l'évangile là pour qui ka si concis. Même Jean yo te confié pied l'évangile pour monde qui si concis. C'est que si là qui te agi dans pied pour apostolat yo ak monde qui concis yo, c'est lui même tout qui te travaille dans moi, dans parmi nation yo. Les yo reconnaître faveur yo te fait nan. Jacques, c'est face à Jean, tout le monde qui te considéré comme colon. Yo ban m'lan men, ni moi-même, ni Barnabé comme associé. Nous-mêmes, nous pour nation yo. Yo même, yo pour si la yo qui si concis yo. Seulement nous te gagnons pour nous songer, pauvres yo. C'est ça même, moi t'ai occupé faire. Seulement, laissez face arriver Antioche. Moi résister à lui en face, parce que il te mérite reproche. C'est que, avant quelques uns dans le groupe Jacques qui était venu, il te con manger avec nation yo. Mais quand il est arrivé, il t'a pris à l'école, il t'a mis à l'école à part. Li te pè si la yo ki te soti nan parmi moun si konsi yo. Lòt juif yo suiv comportman ka fè semblan, jous a ta Barnabé bi je fè tankou yo nan semblan. Men, le mwen li pa tap mache dwat pou verite l'evangil la, mwen di se fas devan tout moun. Si ou menm ki juif, wap viv tankou nasyon yo, men pa tankou juif, comment on capable forcer nation yo pour vivre tant que juif? Parole grand maître là. Merci bon Dieu, merci. N'a pas répondre. Allez sur toute terre prêcher l'évangile là. Allez sur toute terre prêcher l'évangile là. Fais louange grand maître là, toute nation yo. Fais louange li ensemble,
tout peuple yo. Allez sur toute terre prêcher l'évangile là. Parce que qu'est sensible à cirer sous nous. Vérité grand maître là dirait pour tout temps. Allez sur toute terre prêcher l'évangile là. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les douze. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer la règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Et partir et il allait de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le mémorial facultatif de Saint-Pie de Pietrelcina, que nous connaissons très bien comme Padre Pio. Quand Jésus a envoyé les douze en mission dans l'évangile de ce matin, il les a appelés à faire connaissance et confiance à la providence divine. Ils ne doivent pas être trop autonomes. Au lieu de cela, ils doivent dépendre de l'hospitalité du peuple à qui il prêche l'Évangile. Plutôt que d'être trop autonomes, ils doivent laisser de la place pour s'appuyer sur les autres, pour devenir dépendants du Seigneur qui les représente chez les autres. Nous aimons tous être indépendants et autonomes dans une certaine mesure. Et enfin, nous devons l'être. Cependant, la lecture de l'Évangile de ce matin nous rappelle que nous ne pourrons jamais être pleinement autonomes. Nous avons commencé la vie complètement dépendante des autres. Et comme nous arrivons vers la fin de notre vie, nous pouvons nous trouver une fois de plus complètement dépendants des autres. Pourtant, même entre ces deux moments de grande indépendance, nous continuons à dépendre des autres de tant de façons. Tout au long de notre vie, nous dépendons des autres pour nous apporter ce que nous n'avons pas en nous-mêmes. Le Seigneur nous invite toujours à être ouverts aux services qui nous rendent
donne et à travers les autres. Dans le chemin de la foi, nous devons tous apprendre à la fois à donner l'espérance, notre amour, le pardon, la charité, les bons conseils, notre temps, notre ressource financière, même les bons exemples aux autres. Dans ce chemin de la foi, nous devons tous apprendre à donner ce que le Seigneur nous a donné, à recevoir de ce que le Seigneur a donné aux autres. Saint Paul parlait de l'Église comme du corps du Christ, dans lequel chaque membre avait beaucoup à donner aux autres et beaucoup à recevoir des autres. Nous sommes interdépendants sur le chemin commun de la foi. Le Seigneur a beaucoup à donner aux autres à travers nous et beaucoup à nous donner par les autres. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique le bien auquel il croit de tout son cœur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous envoyais comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'on n'aille pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire maintenant avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tombe. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Réassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix de Christ. Thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus qui enlève les péchés du monde. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ce mystère et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.